Bah écoutez, j'habite à Saint-Médard depuis une dizaine d'années. J'ai constaté, comme tout le monde, que la population avait beaucoup augmenté, mais que dans le même temps, l'offre en matière de déplacement, c'était, malgré les petites améliorations à la marge qui ont été apportées, ne s'est pas améliorée. La mise en place du tram incitera peut-être des gens, et même sûrement des gens qui aujourd'hui ne sont pas utilisateurs des transports en commun, à le faire. Une nouvelle dynamique, un côté plus pratique pour les gens pour se déplacer. Voilà, une nouvelle dynamique pour la ville qui est déjà très dynamique, mais qui serait plus accessible à beaucoup plus de monde. C'est un atout pour la ville, pour le développement. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça manque énormément. Ça désengorgerait aussi le trafic qui est très dense entre Saint-Médard, Bordeaux et tout le tour de la métropole. Et donc c'est vrai que ce serait une belle initiative que d'accélérer ce projet qui manque beaucoup à la ville de Saint-Médard. Et il faut effectivement un collectif, ça a un impact sur effectivement les décisions et ça peut effectivement faire avancer les choses. On est venu ici il y a 6 mois, on a emménagé, on vient de Seine-et-Marne. On commence à découvrir la région, la ville, les habitants. On aime beaucoup Bordeaux. On aimerait bien aller souvent, plus régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'on se mobilise un peu tous pour justement rejoindre cette cause qui, je pense, va tous nous servir